À partir de demain, nous aurons un nouveau pass de combat pour l'arrivée de la saison 2 de Fortnite Festival. Ce pass de combat est à l'effigie de l'artiste Lady Gaga. C'est le pass de combat qui remplacera The Weeknd qui est actuellement disponible sur Fortnite. Alors dans ce pass, vous aurez la possibilité de débloquer 11 récompenses que vous voyez actuellement à l'écran. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous voulez débloquer le skin de Lady Gaga, il faudra payer 1800 V-Bucks pour débloquer les récompenses du bas. Donc vous avez 11 récompenses payantes, dont le skin à la fin du pass de combat. Et pour débloquer toutes ces récompenses, il vous faudra 11 000 notes de musique. Et pour obtenir ces notes, il faudra réaliser des défis de Fortnite Festival. En soi, c'est exactement le même principe que le pass de combat The Weeknd qu'il y a dans Pass Festival. Donc regardez, là, j'ai débloqué toutes les récompenses et pour obtenir les 11 000 notes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans Fortnite Festival et j'ai réalisé les défis quotidiens, les défis hebdomadaires, etc., etc. À chaque défi que je réalisais, j'obtenais des notes. Et au final, quand j'ai réussi à obtenir 11 000 notes, ben là, j'ai débloqué toutes les récompenses. Alors, dernière petite information, demain, il y aura une mise à jour sur Fortnite et ce sera la dernière de la saison 1 du chapitre 5 qui normalement commencera vers plus ou moins 10h et se terminera vers plus ou moins midi. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace des commentaires. Code créateur SCS.